Excellence le ministre des Affaires sociales et des Actions humanitaires, Excellence Monsieur le vice-ministre de l'Intérieur, Excellence Monsieur le vice-ministre de la Santé, Excellence Messieurs les conseillers du chef de l'État en charge des affaires politiques et électorales, Excellence les membres du comité provincial de sécurité, les honorables députés ici présents et toute l'assistance. C'est un honneur pour nous d'avoir reçu la délégation du gouvernement national avec l'appui des partenaires pour nous venir en aide dans les moments les plus difficiles. Nous savons que le chef de l'État du côté militaire est en train de faire de grands efforts, mais au-dessus de cela, il a pensé aussi au social des déplacés qui sont en train de fuir et qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Nous pensons que ces efforts vont continuer parce que la population a besoin de cela. Et plus que cela, la population du Nord Kivu et moi-même, nous voulons rentrer chez nous parce que on ne peut pas continuer à être bien dans les camps de déplacés, surtout là où les conditions sont extrêmement mauvaises. Au nom de la population du Nord Kivu et au mien propre, je remercie le président de la République pour cet engagement, mais aussi la délégation qui est venue ici pour apporter l'assistance, non seulement pour la nouvelle vague de Nzulo, mais aussi Bushagala et Mugunga. Je vous remercie.